Monsieur Mohamed Belabdi, bonjour. Bonjour. Alors, le secteur de l'agriculture est stratégique. Le Premier ministre, dans son plan d'action, a affirmé qu'avec l'entrée en vigueur de la loi de finances 2018, plusieurs programmes de développement agricole en suspens seront relancés pour renforcer et optimiser le rendement du secteur. Est-ce qu'on peut considérer que c'est le même principe qui concerne aujourd'hui la céréaliculture, sachant que depuis quelques années, les rendements en production ont baissé. Ils sont aux alentours de 35 millions de quintaux. Monsieur Belabdi. Bonjour, permettez-moi avant de commencer de vous remercier de m'avoir invité dans votre émission et à l'occasion de saluer les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent. Aujourd'hui, on va aborder le thème de la céréaliculture comme vous l'avez bien prononcé, c'est-à-dire que je tiens à préciser quelque chose sur la céréaliculture. Dans notre pays, la céréaliculture, elle est conduite à 95% au régime pluvial, c'est-à-dire elle est dépendante à presque de la pluviométrie. Il y a un programme prometteur décidé par son Excellence le Président de la République concernant l'irrigation. Et la part de la céréaliculture elle est importante puisqu'on parle de 600 000 hectares de céréaliculture qui vont être irrigués à l'horizon 2019. Et le travail a déjà commencé, l'Office y participe parce qu'il a fédéré les agriculteurs pour les équiper en matériel d'irrigation. Ils accompagnent les grandes exploitations qui sont installées au sud pour une irrigation totale. Et jusqu'à l'heure actuelle, on est arrivé à équiper l'équivalent de quoi irriguer 50 000 hectares en céréaliculture. Alors, pour ce qui est de la céréaliculture, bien sûr qu'elle a bénéficié de beaucoup d'avantages pour booster cette filière, puisque nos consommations sont à base de céréaliculture. Les 70% des calories de l'Algérien sont à base de céréales. On est des gros consommateurs de céréales et c'est la raison pour laquelle la production, quand elle est faible, on opère des importations pour combler le vide et pour satisfaire le besoin du consommateur. Mais justement par rapport à cette question d'importation, Monsieur Belabdi, ce qui est relevé aujourd'hui, c'est que l'Algérie est un des plus grands importateurs de céréales à travers le monde. Et chaque fois que l'OIC manifeste son intention de sortir sur le marché international, les prix flambent. Est-ce qu'on peut considérer qu'on peut aujourd'hui basculer de l'importation nette vers la production, puisque 35 millions de quintaux, c'est quand même un faible rendement par rapport aux capacités qu'on pourrait développer. Nous sommes toujours à 17 millions quintaux l'hectare, alors qu'on pourrait atteindre les 60 quintaux l'hectare. Et c'était affiché déjà en 2007, 2008, 2009. Je l'ai précisé, c'est-à-dire que c'est une question de pluviométrie. Par exemple, si on prend l'année passée comme exemple, c'est une année très sèche. On a eu un manque de précipitations, surtout dans la région Est. Et c'est pour ça que les rendements ont été endommagés. On a eu une faible production. Et le problème, il réside surtout dans le blé tendre. On est des grands importateurs de blé tendre. Par contre, le blé dur, depuis les décisions prises par son Excellence le Président de la République en 2009, qui a donné une priorité à la céréaliculture, surtout question de soutien au prix d'achat, les soutiens aux semences, soutien aux engrais, les soutiens à la mécanisation, le soutien à l'irrigation, tout ça a fait de telle sorte à ce que les rendements ont un petit peu bougé par rapport à ce qu'ils étaient dans la décennie des années 90 où les rendements ils étaient dans une moyenne de 7 quintaux à l'hectare. Actuellement, en blé dur, on dépasse les 20 quintaux à l'hectare malgré les conditions climatiques très défavorables. Mais seulement, il faut signaler qu'il y a un travail qui se fait et par les créateurs de richesses, parce que actuellement on est en train de jouer dans l'intensification en travaillant sur le respect de l'itinéraire technique. L'Office il participe aussi par le biais de ses coopératives. Les coopératives elles interviennent puisqu'elles ont bénéficié eux aussi de matériel de mécanisation et toute la chaîne elle existe au niveau de ces coopératives pour aider l'agriculteur à respecter l'itinéraire technique et utiliser
les engrais d'une manière raisonnable. Mais aujourd'hui, ce qui est relevé, Monsieur Belabdi, c'est que la facture d'importation de l'OAIC quand même est assez importante, alors qu'elle avait connu une baisse relative durant les années 2009-2010. Elle atteint actuellement l'équivalent de 1,2 milliard de dollars d'importation en céréales. Est-ce qu'il y a possibilité aujourd'hui de faire en sorte, est-ce que les rendements soient beaucoup plus importants en travaillant sur les itinéraires techniques des agriculteurs, des Alors, céréaliculteurs? notre objectif principal, nous, c'est de s'attaquer à l'espèce blé dur. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous faisons exactement, M. Blabdi? Pour l'espèce blé dur, nous sommes en train c'est-à-dire de booster l'irrigation. Et dans les zones où on n'a pas les moyens, les ressources hydriques, on est en train de travailler sur l'amélioration de l'itinéraire technique et la fertilisation raisonnée et l'utilisation des semences performantes. Parce qu'à un certain temps, comme les gens utilisaient des semences de ferme, et ces semences de ferme, on ne les connaissait pas, et c'était des vecteurs de maladies, et ça s'est répercuté sur les rendements. Actuellement, l'Office a renforcé ses capacités de traitement des semences par 22 stations, qui a remonté les capacités de trituration et de conditionnement des semences à 4 millions de quintaux. On a gagné que dans le temps 50 jours, parce qu'à un certain temps, jusqu'au mois de décembre, et la semence n'était pas encore prête. Et c'est ce qui poussait l'agriculteur à ne pas respecter les dates de semis. Et ça, c'est très important dans la phase de développement de la céréale. En rentrée en exploitation de ces stations de semences, les semences ont été prêtes au mois de septembre, ce qui nous a permis pendant ces 3 ou 4 dernières années de doubler la vente des semences traitées et conditionnées. On dépasse actuellement les 2 millions 200 de quintaux. Un certain temps avant 2009, on n'arrivait même pas à commercialiser les 800 000 quintaux de semences. Les engrais, en leur tour, ils sont encore, la disponibilité des engrais a fait de telle sorte à ce que les agriculteurs fertilisent mieux. Et c'est pour ça qu'on a des rendements stables et des rendements qui sont appréciables en blé dur. Je précise bien en blé dur. Quant à l'espèce orge, c'est une espèce qu'on peut aussi réussir dans cette espèce en travaillant davantage dans les endroits où elle s'adapte, puisque nous avons le matériel génétique existant. Mais justement, sur la question des semences, comment faire aujourd'hui pour limiter notre dépendance de l'extérieur? Monsieur Blabdi, parce que nous importons tout, en amont et en aval. Les céréales et les Maintenant, semences également. Pour les semences, je peux déclarer. Alors qu'on parle de souveraineté nationale en termes pour les semences, de céréales. Je peux déclarer officiellement que la bataille des semences, elle est gagnée en Algérie. C'est-à-dire, Monsieur Blabdi? C'est-à-dire que nous produisons ce qu'on sème, toutes les semences de céréales, mis à part les avoines ou les légumineuses fourragères et alimentaires qu'on importe, les céréales en blé dur, en blé tendre et en orge, on est en train de les produire ici. En partenariat avec des étrangers, M. Belabdi? Il y a une société mixte qui vient de voir le jour, elle est là opérationnelle. C'est en partenariat avec les Français. C'est une société qui est là pour renforcer le potentiel génétique déjà existant. Elle travaille dans l'introduction de nouvelles variétés françaises qui sont issues de la sélection française pour les exploitations qui sont demandeurs, parce qu'on a des agriculteurs qui sont en train de se professionnaliser chaque jour. Ils sont demandeurs d'un matériel génétique très performant. Le matériel génétique existant ici, c'est-à-dire, il a donné ses limites, question de rendement, il ne dépasse pas les 75-70 quintaux à l'hectare. Quant aux agriculteurs qui pratiquent une irrigation totale et qui sont surtout ceux qui sont installés au sud et qui utilisent une fertilisation raisonnée, ont demandé un matériel génétique très performant, et c'est pour cela la raison pour laquelle qu'on
et introduire des variétés et améliorer tout ce qui est matériel génétique existant en Algérie. Donc en termes clairs, on n'importera plus de semences? Non, on n'importera plus de semences. Les quantités existantes, est-ce qu'elles vont suffire pour augmenter à la fois les rendements? Puisque vous dites depuis quelques années, les rendements en blé dur sont stables, or qu'en 2009, on avait atteint les 60 millions de quintaux, et depuis quelques temps, c'est pratiquement la moitié, 60 millions de quintaux. En 2009, on avait atteint les 60 millions de quintaux. On avait même fait une opération d'exploitation. C'était par rapport à la pluviométrie à l'époque, c'était des orges. C'était le plus des orges. On a produit beaucoup d'orges à cette période. Et comme vous le savez, l'orge il est installé dans les zones, comme on l'a classé un certain temps, les zones défavorables. Et c'est une espèce rustique, mais quand elle coïncide avec des conditions pluviométriques satisfaisantes, elle donne des bons rendements, c'est des variétés locales. Et c'est la raison pour laquelle on a eu des rendements très, très élevés à cette période en 2009. Par contre, la meilleure année qu'on avait enregistrée en blé dur, c'était en 2013. Et depuis ce jour-là, les blés durs n'ont pas baissé. On en produit toujours plus de... La production dépasse toujours les 20 millions de quintaux. Et les rendements ont grimpé au-dessous de 20 quintaux à l'hectare. Et c'est la raison pour laquelle je dis stable par rapport aux conditions climatiques. Pour le blé tendre, on sera toujours dépendant de l'extérieur, des importations du Canada et de la France essentiellement, monsieur Belabdi. Pour le blé tendre, actuellement, ce n'est pas une question d'urgence, parce que le blé tendre, comme vous le savez très bien, c'est une espèce très sensible et qui demande une précipitation, des précipitations très importantes. Mais les habitudes alimentaires changent. Comme son nom l'indique, c'est une espèce qui est tendre et qui nécessite de l'humidité lors de ses moissons. Alors qu'en conditions climatiques algériennes, le climat il est sec. Lorsqu'on la moissonne à 40 degrés, elle donne un grain dur. Et question de rendement en farine, elle est très faible. C'est-à-dire le taux de trituration il est de 50%. Et c'est la raison pour laquelle il n'est pas urgent, juste le temps de trouver les variétés qui s'adaptent avec nos conditions climatiques. Donc on sera dépendant de l'extérieur, de l'importation. On dépendra de l'importation. Et donc, c'est pour cela qu'il faut penser à changer un petit peu le modèle alimentaire algérien, rationaliser et gaspiller moins. Alors, en termes justement de rationalisation de cette consommation, est-ce qu'on peut considérer que ces deux dernières années, on a importé plus? Non, pas par rapport à l'année passée. Cette année, on a importé moins. L'année passée, pour l'office, il était à 9,1 millions de tonnes. Cette année, il est à 8,4 millions de tonnes. Avec une enveloppe équivalente à 1,2 milliard de dollars. Avec une enveloppe de 1,7 milliard et quelques, il y a une baisse de 5,12% par rapport à l'année passée. Et cette baisse, elle intervient dans une autre baisse, puisque en 2016, il y a eu une baisse aussi. Mais les soutiens aux céréalicultures, est-ce qu'ils sont encore renforcés davantage aujourd'hui, monsieur Belabdi? Les soutiens aux céréalicultures, ils sont bien sûr qu'ils sont renforcés. Il y a une recondition de toutes les décisions de son excellence de 2009. Les soutiens en semences, les soutiens en engrais, les soutiens dans la mécanisation, les soutiens au prix à la production, parce qu'on paye le blé plus cher qu'il est affiché sur le marché international. Et tout ça pour inciter, c'est-à-dire pour pousser cette filière à produire plus. Quel est le volume de soutien globalement, monsieur Belabdi? Le volume de soutien, c'est-à-dire il diffère d'un produit à un autre, et grosso modo, c'est-à-dire on peut dire qu'on soutient à 40% la céréaliculture. Alors, M. Mohamed Belabdi, beaucoup de questions pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. Moi, je voudrais revenir un peu avec ce que vous avez déclaré récemment. Vous dites que l'Office algérien interprofessionnel des céréales, l'OAIC, va s'impliquer directement dans la production, ne plus se contenter d'être un importateur net. Comment cela, M. Belabdi? Oui, c'est ce qui est en train de se faire, parce que nous, on s'appuie dans nos missions sur les coopératives. Et les coopératives viennent de demander au niveau local à ce qu'ils bénéficient de terres agricoles dans le cadre de la concession. C'est ce qui a été fait au niveau de Adrar. Actuellement, la CCLS de Adrar qui exploite une ferme, et elle a des rendements qui dépassent les 60 quintaux à l'hectare.
Et c'est pour ça qu'on a dit qu'on est en train de contribuer directement dans la production. On a fait la même chose, on a demandé la même chose à Tébessa, à Alroat, à Gardaïa. Votre volonté d'acquérir des terres. C'est notre volonté d'acquérir des terrains parce qu'on a tout ce qu'il faut pour rentrer dans la bataille de la production. Et c'est pour cela qu'on est en train de sensibiliser même les transformateurs à nous rejoindre dans cette idée, parce que les transformateurs doivent s'impliquer dans la production pour produire ce qu'ils structurent actuellement. On ne pourra pas rester éternellement dépendant des importations, surtout en blé dur. Je précise bien, en blé dur, c'est à notre portée, on peut le faire, parce que avec l'augmentation des superficies à l'irrigation, c'est jouable à court terme. Alors, vous souhaitez acquérir des superficies importantes au niveau d'Adrar, Tébessa et Lorouad. Vous justifiez cet emplacement par la proximité à la nappe albienne au niveau de ces régions. Mais pourquoi ne pas aller vers, par exemple, l'irrigation aujourd'hui du goutte à goutte, qui est un projet qui est dans les tablettes du gouvernement depuis pratiquement les années 2000, Monsieur Belabdi? Pour ce qui est, vous parlez du nord. Le nord, c'est-à-dire tous les terres sont occupées. Le nord, il n'y en a pas assez de terres, surtout pour la céréaliculture. La problématique principale de la céréaliculture au nord, c'est la taille des exploitations. Parce que la taille des exploitations, elle est trop petite pour faire des développements, Vous voulez de gros des investissements? grands investissements et aller dans les pivots, utiliser un matériel de mécanisation performant. À partir de 25 000 hectares. Non, nous on peut commencer avec 2 000, 3 000 hectares et on voudrait être un centre de rayonnement et de transfert de savoir et savoir-faire. On voulait être un catalyseur, puisque nous avons le matériel génétique, nous avons tout ce qu'il faut, nous avons 500 ingénieurs qui sont sur terrain, ils sont formés, et ils accompagnent l'agriculteur durant toute l'année. Notre volonté, elle est affichée pour produire plus et pour accompagner les créateurs de richesses. Votre objectif, c'est d'atteindre l'autosuffisance en blé dur, parce que là, j'avais fait la confusion. D'ici 2020, vous n'avez pas pris beaucoup de retard avant de mettre en place une nouvelle stratégie, une nouvelle vision, au lieu de rester un importateur net, monsieur Melabdi. Parce qu'à un certain temps, il y avait cette idée de raisonner comme le quintal produit et le quintal importé. C'est-à-dire en comparaison, on a ignoré en quelque sorte la filière céréale. Et suite au Elle est retour, stratégique pourtant. elle est stratégique, à un certain temps, on l'avait abandonnée. C'est pour ça que les agriculteurs et les céréaliculteurs ont abandonné cette culture. Et ils se sont reconvertis même dans les terres potentielles, dans l'élevage, ovin, dans la jachère. Et ils produisaient peu de blé parce qu'ils n'étaient pas rémunérateurs. Avec les décisions prises par son Excellence, on a un retour massif vers cette filière, et c'est pour ça qu'on enregistre un développement. Même on travaille dans la résorption de la jachère. Depuis l'année passée, on s'est lancé avec les établissements privés dans la relance des pois chiches et des lentilles. On en a multiplié la production par 5 l'année passée en lentilles. Vous en trouvez sur le marché, la petite lentille là. Les pois chiches, c'est pareil. Cette année, les superficies ont augmenté encore. On a un objectif de s'autosuffire aussi en lentilles et en pois chiches. Alors, des questions des auditeurs, avant de les aborder, je voudrais revenir avec vous aujourd'hui sur les capacités de stockage. Beaucoup considèrent qu'il y a un déficit en moyens de stockage, ou si même il y a des moyens de stockage, ils ne répondent pas aux normes. C'est la raison pour laquelle certaines quantités très importantes pourrissent au niveau des silos. Même si vous allez en acquérir 9 cette année. Oui, on va acquérir 9 cette année. Déjà, on va augmenter nos capacités de stockage. Nous, c'est-à-dire pour les conditions de stockage, il y a une nuance. Il y a certains qui parlent des centres de collecte. Ça, c'est des centres de collecte, c'est des centres de transit. Le grain, il n'est pas stocké en longue durée là-bas. Il est transformé, il est transporté, il est transféré vers les silos. Et ces silos sont des ouvrages qui peuvent stocker le grain dans des conditions meilleures et il peut se conserver, c'est-à-dire longtemps. C'est-à-dire il y a tous les moyens nécessaires
pour le nettoyer, pour le bien, pour le protéger contre toute attaque d'insectes et tout ça. Et c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle il y a un projet prometteur qui rentre dans les projets stratégiques de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est la construction de 39 silos entre béton et métallique. Et c'est des projets qui avancent très bien. On en est à 50% à l'heure actuelle. Ça avance très bien. Et on peut terminer le programme d'ici 2020. Vous allez en réceptionner 9 cette année, monsieur Oui. Belabdi? Oui, on va réceptionner 9 cette année. Et on continuera avec les autres jusqu'à 2020. Alors, notre agriculture, ou du moins la céréaliculture, est extrêmement dépendante aujourd'hui de la pluviométrie. Comment s'annonce la saison 2017-2018, monsieur Belabdi? La saison 2017-2018, ça s'annonce très bien, puisqu'on a été bien arrosé à l'est, à l'ouest, au centre. Même les conditions de travail, l'agriculteur, c'est-à-dire il a trouvé tout ce qu'il faut. Les guichets uniques ont été ouverts dès le mois de juillet. C'est-à-dire l'agriculteur, lorsqu'il allait à la coopérative, il trouvait tout ce qu'il faut, engrais, semences, matériel de travail du sol. Contrairement aux autres années, on devait faire le tour. L'accompagnement, Il devait faire la queue plutôt pour attendre. l'accompagnement financier. Et c'est la raison pour laquelle on a bouclé la campagne en un temps record. C'était à la fin novembre que les gens ont terminé les enlèvements auprès des coopératives des semences et des intrants. Nous serons toujours dans les mêmes pratiquement proportions de production, 35 millions de quintaux, ou un peu plus, vous espérez plus? Nous, on espérait plus, En orge? en orge et en blé dur, puisqu'on est en train de travailler sur l'amélioration de l'itinéraire technique, sur la fertilisation. Les engrais cette année, on en a utilisé plus que l'année passée, et ce qui donne une idée sur la conscience des agriculteurs. Ils ont utilisé plus de semences traitées et conditionnées. Ils ont respecté les dates de semis. Il y a une bonne pluviométrie, il y a une bonne levée. La levée, elle est homogène. On s'attend à des résultats meilleurs, Inch'Allah. Les quantités importées, monsieur Belabdi, rapidement, avant d'aborder les questions des auditeurs. En 2017, nous avons importé 8,4 millions de tonnes pour une valeur de 1,7 milliard de dollars US. Et c'est en baisse. Et c'est en baisse par rapport à l'année passée. On a des stocks de sécurité, monsieur Ah, bien Belabdi. sûr. Beaucoup disent que nos stocks n'excèdent pas les 6 mois. Non, non, non. On a des stocks de sécurité. C'est pour la raison pour laquelle 6 mois, 1 an, 2 ans? l'office, il travaille sur ces stocks. Il déclare jamais ses stocks stratégiques parce qu'il est dépendant des Six marchés. mois, un mois, 2 mois? On avait des stocks stratégiques un certain temps qui ne dépassaient pas les 6 mois, mais on est en train d'augmenter les capacités de stockage pour augmenter nos stocks stratégiques et mettre le pays à l'abri de toutes ces fluctuations sur le marché international. Alors, plusieurs questions des auditeurs ce matin, monsieur Belabdi. La question qui revient le plus souvent, pourquoi on importe essentiellement de la France, alors que sachant que la qualité du blé, parfois français, peut s'avérer de mauvaise qualité? C'est une Et c'est question, pas les moins disants. c'est une question très importante. Nous, on importe cahier de charge. On n'importe pas origine, on importe cahier de charge. Ils disent qu'ils ne sont pas les moins disants. Nos cahiers de charge, notre cahier de charge, il répond au modèle de consommation algérien. On a souvent cité la France comme un pays qui livre, c'est-à-dire la totalité. Aujourd'hui, si je vous donne l'exemple en blé dur, les 79% de l'origine, elle est canadienne. Et pourtant, le cahier de charge, c'est-à-dire, il est optionnel. La France, elle est présente dans le blé d'Inde parce qu'elle produit selon le cahier de charge algérien. Les quantités mer Noire n'ont pas pu accéder à notre marché, c'est par rapport à leur qualité. Mais la quantité de la France, ces derniers temps, elle a régressé. Elle est présente à même pas 60%. Ils disent que certaines productions ont été contaminées également. Non, on ne peut pas parler de tout ça parce que l'office, il est soumis au contrôle au même titre que le privé. Si la marchandise n'est pas saine et on n'a pas c'est-à-dire là, le bulletin de conformité délivré par les MPV et par la DCP, on ne peut pas avoir le permis de circulation de la douane.
Nous avons une société qui contrôle l'embarquement. C'est une société suisse qui contrôle toute la quantité qui est embarquée avant d'être débarquée. Nous avons mon laboratoire. On n'a jamais ce genre de problème. Au contraire, on dise de la qualité de l'eau ici qu'elle est meilleure. Alors aujourd'hui, Monsieur Belabdi, certains considèrent que l'OIC est en train de se rétracter par rapport à ses engagements au profit des agriculteurs. Les moyens ne sont pas véritablement disponibles, contrairement à ce que vous affirmiez tout à l'heure. Quel est votre commentaire justement sur cette question, Monsieur Belabdi? Sur cette En question, soutien, bien sûr, puisque vous subventionnez pratiquement. il y a l'office, il est en train Il a un rôle de régulateur du marché. il a un rôle de régulateur de marché et il est dans la mission appui à la production. Il a été tout le temps présent avec les agriculteurs puisqu'il a un parc de motoculture. Il a 1500 moissonneuses-batteuses qu'il loue durant l'été. Il a des semoirs pour aider les agriculteurs à semer. Il a renforcé ses capacités de trituration de semences avec 22 stations, tout ça pour gagner dans le temps pour mettre à disposition des agriculteurs des semences saines et propres. Il mobilise 2 millions de quintaux d'engrais annuellement à la disposition des agriculteurs. Il ouvre les guichets uniques en se rapprochant des agriculteurs le maximum dans des petites communes, pour faciliter la tâche à l'agriculteur dans le dépôt de son dossier de financement. Par rapport à la question de l'aliment de bétail, même principe, monsieur Belabdi, certains L'aliment disent que de... pour le maïs, il est exonéré de TVA, or que maintenant on est en train de l'appliquer depuis quelques années. Le maïs, il n'est pas dans le portefeuille de l'office. L'office, l'OIC, il s'en charge de l'orge. On donne de l'orge pour les éleveurs et pour la brebis reproductrice dans les zones steppiques et sahariennes. Accompagné d'aide. Bien sûr, c'est un prêt subventionné qui est à 1550. Alors, quel est aujourd'hui le devenir des travaux de recherche menés par les instituts INRA et ITGC qui avaient justement fait un travail pour l'augmentation de la production à l'hectare? Nous sommes toujours à 17 quintaux l'hectare, alors qu'on peut atteindre facilement les 60, 70, comme cela se fait dans les pays développés, monsieur Belabdi. Les travaux de recherche de l'INRA et de l'IDJC, ils sont là, puisque nous sommes en train de C'est travailler une avec. référence? Bien sûr que c'est une référence, parce que nous avons des chercheurs de renommée internationale qui travaillent sur ces dossiers. Et c'est grâce à eux que la céréaliculture est très bien organisée en Algérie. Et je peux dire que c'est la filière la mieux organisée. Et le nombre de sorties sur terrain, de séances de vulgarisation et de démonstration dans cette filière est le plus important en comparaison avec d'autres filières. Alors, est-ce que vous allez c'est-à-dire exploiter les terres en jachère? Parce que souvent, on laisse les terres en repos Oui. pendant 2, 3 ans et c'est un manque à Il y a un gagner grand pour travail qui est en la train production. il y a un grand travail qui est en train de se faire. Un certain temps, on était buté à un problème de disponibilité de semences de légumineuses alimentaires et fourragères. Puisque avec la création de la société mixte avec les Français, on va s'intéresser à la production de plus des semences fourragères. Quant à la légumineuse alimentaire, on en a un patrimoine génétique, on en a développé cette année. On a multiplié notre production de semences par 3 cette année. Il y a des établissements privés qui sont dans les semences aussi, qui nous aident dans cette mission. Et jusqu'à l'heure actuelle, on est arrivé à résorber plus de 100 000 hectares et l'objectif est de 500 000 hectares. Alors aujourd'hui, ce qui est relevé, c'est que le blé est subventionné, les céréales sont subventionnées par les pouvoirs publics, ils sont distribués aussi par le biais de l'Office qui est un régulateur au profit des producteurs en pâtes alimentaires. Est-ce qu'on peut contrôler dans le cas où ils exploiteraient les céréales de l'OIC pour la production destinée à l'exportation, monsieur Belabdi, puisque cette question avait été soulevée encore cet été? Et personne n'a le droit d'exporter C'est clair, hein? les pâtes faites à base Céréales de subventionnées. céréales subventionnées. Mais Parce vous avez que les moyens de contrôler? nous, ce n'est pas nous qui contrôlons, il y a d'autres parties qui sont spécialistes dans ce contrôle. Nous, on est un office régulateur et qui fait plus de l'approvisionnement, on les approvisionne. Quant à l'exportation, c'est-à-dire contrôlée par les services de douane et par tous les gens spécialistes.
Je ne pense pas qu'ils peuvent exporter des pâtes faites à base de semoule subventionnées. Combien de minoteries sont alimentées par l'OIC, monsieur Aux Blair? environs de 600 minoteries et saumoneries, c'est beaucoup. C'est-à-dire, on arrive à les approvisionner en longueur d'année. Et c'est une mission, c'est-à-dire très, très importante. Avec l'orge et le blé dur et le blé tendre, on distribue l'équivalent de 10 millions de quintaux par mois. On fait de la régulation sur des distances allant jusqu'à 2000 km. Et on est présent, on a été tout le temps, c'est-à-dire on a tout le temps satisfait le marché. Alors très rapidement sur ces deux questions, le niveau du gaspillage, vous en avez parlé, est-ce qu'on a réussi, on réussit aujourd'hui à le quantifier et à l'évaluer? En le quantifiant, c'est-à-dire il fait partie de notre quotidien, c'est-à-dire on le voit tous les jours, Les baguettes de pain les jetées baguettes de partout. pain, il faut se dire que, La baguette de c'est-à-dire pain est subventionnée. C'est du blé tendre. tout ce qui est fait à base, C'est de la devise. tout ce qui est fait à base de blé, de blé, de semoule, de farine, c'est-à-dire il est subventionné, on a intérêt à ne pas subventionner parce que c'est un acquis pour le consommateur. Et s'il gaspille, c'est-à-dire Il gaspille la devise. il gaspille la devise. Alors, pourquoi la semence paysanne n'est pas valorisée? Comment limiter l'apport des intrants tout en assurant une bonne production? Monsieur Belabdi, question d'une auditrice. La semence artisanale, c'est-à-dire c'est un patrimoine génétique. Nous, justement, on est en train de travailler sur l'amélioration de ces semences. C'est parmi les objectifs de la société mixte, c'est d'améliorer tout ce qui est patrimoine génétique algérien. Alors, le couscous algérien vendu au Canada et en France est-il subventionné? Là, ça nous ramène à la question qu'on a posée tout à Je l'heure. ne pense pas parce qu'il y a Producteurs qui importent aussi. qui importent. Nous avons des producteurs qui importent leur propre blé, ils font des pâtes à l'exportation. Mais ils importent des quantités importantes, plus importantes que celles de l'OIC, ou beaucoup moins. Non, Parce qu'ils beaucoup disent qu'ils moins. s'alimentent plus chez l'OIC que Non, sur les non. marchés internationaux. Ils s'alimentent pas l'OIC, c'est pour approvisionner le marché national. Et ce qu'ils importent, c'est pour l'exportation. C'est des quantités très limitées. Alors, les céréales, c'est des produits boursiers, mais ce qui est relevé, c'est que chaque fois que l'OIC sort sur le marché international, elle l'achète au plus fort prix. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous avez Non, des gens qui observent les marchés internationaux? c'est tout à fait le contraire, parce qu'il y a des rapports faits par d'autres pays qui ont trop positivé les achats de l'OIC. Et je peux vous dire, par rapport au marché papier, l'OIC a gagné 200 millions de dollars l'année passée. Pour les silos, un rapport américain dit qu'ils ne sont pas de qualité. Quel est votre commentaire? Ce n'est pas question de qualité, c'est une question Qui ne répondent pas aux normes. C'est une question de. Les Américains, ils voulaient construire des silos, ce qu'ils ont appelé des silos intelligents. Mais ce qui est construit ici, c'est des silos qui répondent aux normes, c'est des silos en béton qui sont là pour la longue conservation du grain. Monsieur Mohamed Belabdi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, à bientôt. Merci.